Hello world, world. c'est Golden et bienvenue pour ce 62 e épisode de Automastique, le Let's Minecraft en version Vania. Alors aujourd'hui, comme vous avez pu l'apercevoir avec le petit tableau d'avant et aussi avec mon accoutrement, aujourd'hui c'est un épisode spécial Noël, puisque normalement il sort le 25 décembre, donc bah, déjà premièrement, joyeux Noël à vous Aujourd'hui, je me suis dit qu'on va aller un petit peu se réchauffer, puisque bah, il fait froid au mois de décembre, hein, le mois de Noël, etc. Donc, on va aller se réchauffer dans le Nether pour faire une petite usine à Blaise, comme vous avez peut-être pu le voir dans le titre. Mais avant de vous parler de cela, je vais vous parler de quelque chose qui est très, très, très important. Je voulais vous parler que tout simplement, j'ai rejoint la plateforme Utip. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est que Utip, en gros, c'est un site sur lequel vous pouvez aller et euh, visionner tout simplement des publicités. Voilà, au total vous pouvez en visionner 3 par jour, en tout cas pour le moment, et cela vous permet en fait de faire des dons gratuitement créateur donc par exemple du coup vu que j'ai ma page vous pouvez aller sur ma page YouTube, regarder regardez juste trois petites pubs donc de environ entre 15 et 30 secondes grand maximum donc ça veut dire qu'en deux minutes grand max vous avez visionné la totalité des pubs que vous pouvez avoir le jour même et comme ça cela me permet de gagner un petit peu d'argent et cet argent je vais le réinvestir dans automastique pour par exemple payer des droits d'auteur pour avoir par exemple de la musique dans automastique si pour être vraiment très sympa et améliorer le contenu euh, tant visuel que Auditif. Bien évidemment, aussi, vous pouvez aussi faire des dons euh, normales, hein, comme sur, sur n'importe quelle plateforme de financement participatif, on va dire. Et vous pouvez aussi avoir un abonnement qui s'appelle les Fire Tippers. Et justement, je voulais vous parler de ça. Donc, FireTipper, c'est un abonnement tous les mois, vous donnez 3 euros minimum. Donc, en gros, ça me rémunère moi, euh, la plateforme. Et en plus, il y a aussi euh, tout ce qui est autres autre créateurs. C'est-à-dire que par exemple, si vous suivez plusieurs créateurs et que vous mettez en créateur préféré, en quelque sorte, en gros, ça va me donner une grosse partie de la somme et un petit peu du reste de la somme va se partager avec tous les autres créateurs que vous suivez. Ce qui est vraiment génial et donc du coup justement si vous avez pas bah, quelques petites secondes à perdre euh, n'hésitez pas à aller sur le utip regarder quelques pubs donc trois par jour maximum ou même vous même pouvez en regarder qu'une ou deux hein, c'est en tout cas très gentil de votre part si vous le faites et en plus tous ceux qui le feront à partir de janvier il y aura une mise à jour sur youtube et ce qui va me permettre en fait de pouvoir récupérer les pseudos des gens qui vont regarder des pubs ou qui sont fire tiper et comme ça je vais pouvoir mettre à la fin de chaque automatique un petit écran de remerciement avec toutes les personnes qui m'ont euh, tout simplement aidé en regardant des pubs ou en faisant des dons donc merci beaucoup à vous alors certains l'auront peut-être un petit peu remarqué, j'ai la voix un petit peu cassée, j'ai un peu le nez aussi un peu bouché. Donc si vous remarquez que c'est un petit peu le son est un petit peu différent, c'est tout à fait normal puisque je suis malade pour la période de Noël. Super. Donc bref, ça là n'est pas le sujet de notre épisode. Euh, je voulais aussi vous montrer bah, du coup vite fait comme le rendu final du timelapse avec euh, par exemple le joli petit sapin de Noël. Je me suis dit, bah tant qu'à faire autant se faire un petit sapin, ça pourrait être cool. Hop, je vais atterrir juste ici. Et voilà, on a du coup un magnifique sapin. On a la petite, euh, mon petit mois de Noël, Voilà, un petit peu en Père Noël. Je trouve plutôt cela fort sympathique. Donc aujourd'hui, on va s'occuper de faire une usine à Blaise qui est. Euh Très rentable on va dire. Hein. Très facilement faisable. Par contre au niveau du comportement et de la logique, ça par contre on va y repasser. On oh, regardez Luma, un petit, euh, une petite déco D'ailleurs, bah tiens, justement, je voulais aussi remercier Melinor qui euh, m'a fait ce très joli skin. Et qui a fait aussi le skin du coup pour Luma de, de Noël. Bon malheureusement par contre il n'a pas de Bonne Noël parce que c'était un petit peu compliqué à faire. Mais bon, pour l'instant quand même ça reste très très sympa et j'aime beaucoup. Bref, allez, rendez-vous dans les Nether. Et nous voici à présent dans le Nether avec notre magnifique carte immense. Franchement, très jolie cette carte, j'adore, j'aime beaucoup le design. Ici, il y a un petit changement, je vais vous montrer ça juste après. D'ailleurs, je vais peut-être l'envoyer en bas. Tac, vous voyez que ici, j'ai rajouté l'usine à Blaze puisqu'on va la faire aujourd'hui. Mais avant cela, je voulais tout simplement vous montrer, hop, si je prends le minecart, carte, vous voyez que là, il n'y a plus de chemin vers l'aine il n'y a plus aucun d'ailleurs chemin. D'ailleurs, par contre, il y a des petits euh, blocs orange que j'ai oublié d'enlever, peut-être que, que je les enlève. Donc, on va sélectionner tout simplement l'usine à Blaze puisqu'aujourd'hui, on va se rendre à notre usine à Blaze pour pouvoir la faire. J'ai déjà fait euh, en tout cas tout le chemin pour y aller. Et vous allez voir que si je me mets en F5 et que j'avance, je vais tout simplement aller dans la lave. Oh non, je tombe Mais ne vous inquiétez pas puisque hop, je réatterris directement sur des rails. Et oui je me suis occupé de faire un chemin dans la lave directement, parce que comme vous avez peut-être pu voir l'épisode précédent, j'avais galéré en me disant comment je vais faire pour cacher les rails, etc. Parce que c'est pas très joli, les chemins de rails comme ça et surtout c'est pas gasproof. Et là j'ai eu l'idée, je me suis dit pourquoi pas faire des chemins dans la lave, puisque c'est possible en vanilla de le faire, hein, je, en survival, je vous précise bien, puisqu'il suffit juste de boire en fait une potion de résistance au feu et de plonger dans la lave et de poser des blocs. Alors par contre certes c'est très galère, mais quand même le rendu est vachement plus joli. Et je vais faire ça pour toutes les usines différentes et comme ça on aura vraiment un chemin spécifique alors. Du coup le chemin du coup ici est jaune puisque bah là on va vers une usine à blaze Par exemple pour l'usine à glace ça sera plus de la blue ice etc etc Donc on arrive juste ici Hop nickel hop on descend comme ça on peut récupérer le minecart bien évidemment Et alors là ici j'ai fait un ascenseur avec de la terracotta Hop si j'appuie ici vous allez voir que du coup ça m'emmène en haut Alors n'hésitez pas du coup à me dire ce que vous pensez de la déco en terracotta Puisque je suis pas très très fan de ces blocs euh, Puisque bah en fait le gros problème c'est qu'on peut faire que des designs de 2 sur 2 en fait en quelque sorte. Donc en 3 sur 2 ça passe pas trop bien. Mais je me suis dit que éventuellement en changeant entre le rouge et le noir, ça peut être cool. Et alors après je pense que ce truc là, la, le vous voyez le, le losange blanc, bah à la place de le faire comme ça, peut-être que je vais le faire noir, ça pourrait euh, rendre, je pense, un petit peu mieux. Hop, nous voici tout en haut, nickel. Donc voilà, j'ai fait un petit ascenseur, je vais faire ça pour toutes les usines. En gros, tous les chemins seront dans la lave en dessous, tout en bas. Et après, bah, je vais faire tout simplement un ascenseur qui va nous permettre de remonter. A savoir que je vais peut-être fusionner l'usine à Blaze et l'usine à, à Weezer, puisque l'usine à Weezer est juste ici. Hop, si je m'avance un petit peu, vous allez la reconnaître. Voilà, elle est juste là, hein, la petite usine à Weezer. Alors il n'y a pas grand chose qui, est, qui a spawn. Ah, s'il si, y a peut-être un petit, petit pigment. Mais bon, allez, on va s'occuper de notre usine à Blaze, puisque c'est quand même le sujet principal de notre épisode. Alors pour une autre usine à blaze, on va tout simplement déjà avoir besoin d'un spawner, un spawner que vous trouverez très facilement dans les forteresses puisque bah là je pense que j'en ai un. Euh, c'est ma seal touch, oui c'est ma seal touch. Hop, un spawner, ça ressemble à ça. Pour ceux qui ne connaissent pas, attends il y a un mob qui a spawné, c'est pas ce que je voulais Attends, va ten meurs Eh meurt, voilà nickel. Hop comme ça il est mort et je peux récupérer de la blaze rod. Voilà blaze roads qui servent à plein de choses, je vous expliquerai ça juste un petit peu après. Mais avant, bien évidemment, un, euh, une usine à blaze, on va avoir besoin d'équipement. Et principalement, pour tout ça, vous aurez déjà besoin de verre. Principalement, alors là, j'en ai ra rapporté beaucoup, puisqu'avec mon duplicateur à sable, euh, je peux en faire très facilement. Surtout que le, la couleur orange n'est pas. Tr et très simple à faire. Vous aurez aussi besoin d'un bouton, peu importe les types de bois, de trap d'or et d'un magma block. Et c'est tout ce que vous aurez besoin. Alors, bien évidemment, vous aurez aussi besoin de blocs. Bon, alors pour ma part, je. Ah, j'ai pas pensé à prendre de blocs. va bah, falloir que j'aille en rechercher tout à l'heure quand j'en aurai besoin. Mais bon, pour le moment, je m'en occuperai un petit peu après. Et vous aurez principalement besoin de potions de feuilleur résistance, puisque bah, les blesses ça shoot du feu. Et bah, c'est pas très très sympa, on va dire, le feu, hein, surtout dans Minecraft. Donc bon. Alors, on va directement commencer la construction de cette usine. Donc, euh, il faut savoir que déjà c'est un modèle de nebon, nebon. Je sais jamais comment ça se prononce ce truc. En tout cas, j'espère que je le prononce bien. Il y aura le lien dans la description si vous voulez voir le truc en anglais, si vous voulez un petit peu plus comprendre le côté mécanique de Minecraft que je ne pas trop aborder dans cette vidéo pour une fois parce que c'est vraiment très très complexe. Donc, on va utiliser comme vous le savez, on a la touche F3 dans Minecraft qui nous permet de voir plusieurs informations et on va partir dans certaines directions avec un certain nombre de blocs précis. Au niveau de, du, du, de est, nord, euh, ouest, etc. Donc, par exemple, pour le nord, on va partir d'environ 15 blocs. Pour l'est, on va partir de 15 blocs. Et pour le sud ainsi que l'ouest, on va partir par contre de 14 blocs. Et après, on fera un énorme bloc, un énorme mur euh, directement après. Hop, j'ai récupéré ma poisson de, de résistance au feu, ça va être bien pratique ça. Allez-y, essayez de me faire des dégâts avec votre feu. Hein. Lol. Donc, on va euh, dégager cette petite zone tranquillou. Hop, on va faire ça comme ça. Et euh, bah voilà, il n'y a pas grand-chose de très complexe à savoir à ce niveau-là. Et je pense qu'on va euh, tout simplement dégager un petit peu, au niveau de la hauteur, on va dégager d'environ euh, un ou deux blocs. Et au niveau d'en bas, on va partir environ euh, de 7 blocs. Je pense que ça pourrait être pas trop mal. Alors, j'ai fini du coup tous mes petits chemins de 15 ou 14 blocs. Cela dépend. Alors, je vous rappelle vite fait, du coup, le sud et euh, l'ouest, c'est 14 blocs. Hein, donc voilà, et l'est le, et le nord c'est 15 blocs. Donc maintenant, une fois qu'on a fait ça, je vais pouvoir enlever du coup la glowstone. Hop, tac, pour pas que ça embête. Alors je suis passé en, en peaceful parce que c'était vraiment pas possible du tout de construire ça. Toutes les 30 secondes j'étais dérangé. Enfin, tout les 30 secondes, encore je suis gentil. J'étais dérangé tout le temps, donc du coup c'est juste horrible. Donc c'est pas bien grave. Hop, je vais par contre juste poser des torches parce que là on y voit que dalle tout de même. Hop, 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 voilà. Donc une fois que du coup vous avez fait ceci, vous êtes content. Voilà, vous avez fait de votre petite zone. On va maintenant s'occuper de creuser l'entièreté du carré. Enfin, Plutôt du rectangle, hein, si on veut vraiment euh, parler mathématiques. Donc, on va faire vraiment un rectangle entier de 3 de hauteur à peu près à partir du niveau du spawner et on va creuser on va compter du coup le bloc au-dessus du spawner et le bloc qui est encore au-dessus. Donc, vraiment, vous euh, voyez, en gros, si je peux me mettre, mettre sur le spawner à ce tarif-là. Donc, maintenant, je vais creuser du coup toute la petite zone, ça devrait aller assez vite puisque bon, c'est quand même de la netherrack. Et on se retrouve une fois qu'on a fait tout ça. Voilà, je viens du coup de finir la totalité de ma zone, donc ça fait quand même un sacré grand espace tout de même. Mais on n'a pas fini puisqu'il va falloir maintenant creuser en bas, puisque je vous rappelle on a fait quand même suffisamment d'espace en haut, même si on pourrait creuser encore un petit peu plus haut. Mais bon, pour le moment on va encore un petit peu attendre, sachant que si vous creusez en haut, c'est un petit peu pour augmenter l'efficacité de l'usine. Donc bon, sachant que un, un spawner ne peut pas faire spawner plus de 4 blazes à la fois, faut tout de même se débarrasser assez vite des blazes, et vu que ça prend... Un petit peu de temps, euh, bon pour le moment j'en vois pas trop l'utilité. Par contre, ce qui va être obligatoire, c'est maintenant de s'occuper de ce qui va se trouver en dessous le spawner. Et vous allez voir que vous êtes assez étonné, mais il va falloir en fait qu'on creuse 7 blocs en dessous. Donc là on est reparti encore pour creuser environ euh, 7 blocs. On se retrouve une fois que j'ai fait la totalité de ma zone, enfin totalité ou presque. Oui, avec moi c'est jamais fini, hein. vous aurez remarqué qu'il y a toujours encore une étape à faire, mais vous allez voir, on a presque terminé et oui, déjà notre usine à Blaze. Donc maintenant ce qu'il va falloir faire c'est creuser de plus 1 ici, 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 ici ainsi que ici, donc en gros les quatre murs ainsi que le sol, et on va remplacer le bloc qu'on vient de creuser par du vert. Le but c'est de faire vraiment toute une zone de vert. Donc et eh bah ben, je suis parti. On se retrouve donc un petit peu plus tard, une fois que j'ai fini la totalité de ma zone. Alors, pour ceux qui auront peut-être remarqué, j'ai creusé encore plus bas, puisqu'en fait, je me suis un petit peu trempé, on va dire, dans les chiffres. En fait, c'est pas de 7 blocs qu'il faut que vous creusiez en dessous du spawner, mais en, au total, une quinzaine. En fait, il faut, à partir à peu près du spawner, compter environ 15-14 blocs. Voilà, pour ma part, j'en ai fait à peu près 15 ou 16, il me semble. C'est en fait en dessous du spawner qu'on va faire une deuxième cage, que du coup, on va faire de 7. Donc en gros, le 7ème bloc, c'est le, le, le bloc de verre. Et aux alentours, tous les 5 blocs, en gros le cinquième bloc, ça va être du vert. Donc là, en gros, 5, 5, 5 et 5. Et ici, on a au total 7. Donc en fait, euh, ça va être assez complexe de vous expliquer le fonctionnement de cette usine. Mais en gros, on va attirer des blazes sans mob, sans eau, puisqu'on ne peut pas les passer dans le nether. Sans piston, sans poussage par bloc, rien. En fait, c'est juste par leur propre volonté, on va les faire aller vers un certain endroit. Alors ça va être assez complexe au niveau du mécanisme, je vais essayer de vous l'expliquer. En gros, les blazes stressent tout le temps et ils ont et ils ont en fait envie d'être sur un bloc plein et non pas sur un bloc transparent. C'est pour ça qu'en fait en faisant une zone ici de verre, en mettant aucun bloc aux alentours et mettre enfin une dernière couche de verre, ça va les faire stresser de ouf et ils vont être là en mode il faut absolument que je dois me mettre sur un bloc plein. Voilà, c'est un peu comme s'il stressait en disant... Euh, bah c'est un peu comme quelqu'un qui a peur du vide, vous voyez, qui se met ici. Là, il va clairement avoir peur du vide, il va vraiment vouloir se mettre là. En gros, c'est le même mécanisme que les blazes. Alors oui, les blazes ont peur des blocs transparents. Enfin bon, bref. Passons. Donc c'est pour ça qu'il faut obligatoirement utiliser du verre et non pas un autre bloc. Par contre, du coup... Enfin, un autre bloc, pas un autre bloc, <laughs> j'articule aussi, ça, ça serait mieux. Donc maintenant, on va se retrouver dans la cage du bête avec le spawner qui n'en peut plus de tourner en rond. Je précise bien aussi qu'il faut faire vraiment euh, les coins aussi. Hein. Donc n'oubliez pas de faire les coins, que ce soit ici ou même ici. Il faut vraiment y penser. Faites-le. Ne faites pas genre juste un truc et vous dites bon bah si, de toute façon ils, ils vont pas venir. Les blazes sont intelligents, mais ils veulent absolument se trouver sur un bloc. Et si par contre il y a de l'espace sur lequel ils peuvent aller, ils vont vouloir aller ailleurs. Donc surtout remplissez bien là où je vous dis. Bien, maintenant qu'on qu a fait ça, il nous reste maintenant la dernière petite partie pour rassembler les blazes à un seul et même endroit. Pour cela, nous devons appuyer sur F3 et regarder dans une certaine direction. Nous devons aller en direction du nord et du ouest. Donc là, par exemple, c'est le sud, donc non. L'ouest est ici et le nord est ici. Donc on va devoir partir par là. Donc, à partir du spawner qui est juste ici, ce qu'on va faire, alors suivez bien parce que c'est un petit peu compliqué. On va mettre un bloc pour signifier que du coup, ici, il y a le spawner. On va compter. Un bloc, deux blocs, trois blocs, et enfin un quatrième bloc. Voilà, juste ici. Donc, du coup, ça on va pouvoir l'enlever. voilà. Bien dans le nord-ouest, donc le nord-ouest, hein, et pas le nord-est, je précise bien l'ouest avec le, avec le, le haut, hein, bien, bien évidemment. On va casser ça, on va le récupérer, tac. Et euh, du coup, en fait, c'est ici qu'on va pouvoir les rassembler avec le stress. Donc, comment on va faire ça en gros, on va déjà casser un petit peu la petite zone ici, tac, voilà. Ce qu'il va falloir faire, c'est prendre le bloc de magma de tout à l'heure, on va casser le bloc qui est ici, et on va y mettre un magma bloc. Je vous expliquerai un petit peu pourquoi, du comment, vous inquiétez pas. Ensuite, on va prendre notre trappe d'or. On va en mettre une ici, alors oui, alors par contre non. Il faudrait que j'arrive à la mettre dans l'autre sens, tac, comme ceci, nickel. Et on va mettre l'autre par-dessus, alors il va encore falloir que j'arrive à la mettre, et... Ah oui, alors j'ai un autre bloc qui va me gêner. Hop, je vais l'enlever vite fait, voilà. Tac, voilà. Et on va tout simplement l'activer. Nickel. Hop, on va pouvoir mettre le bloc qui est ici et passer ici. Voilà. Bien. Alors, faites bien attention à ce que ceci, donc la trappe d'or, longe bien le bloc. Hein, c'est très important. Ensuite, sur ce bloc, on va mettre un bloc plein. Je précise bien plein. Donc du coup, c'est un bloc euh, solide, bien solide. Donc genre par exemple du verre. Ensuite, au-dessus de ce bloc qu'on va pouvoir casser, on va mettre aussi un bloc. Voilà. Hop, je m'en mets ici parce que chaque fois j'ai un petit peu mon, mon schéma pour mieux m'y retrouver Parce que sinon c'est très vite le bordel Bien maintenant qu'on a fait ça on va pouvoir casser le bloc qui est ici Et le mettre par un bloc plein Enfin c'est le Nazar qui est déjà plein mais c'est avec les blocs de l'usine je, je veux parler bien évidemment On va mettre bien évidemment comme cela Hop on va faire un petit, une petite zone à peu près comme ça Pour que vous puissiez comprendre un peu le mécanisme du truc Donc on va boucher euh, là évidemment aussi On va boucher derrière ici On va boucher là également Ainsi que là également Nickel Parfait, une fois qu'on a fait ça, alors instant euh, très intéressant, du moins on pourrait peut-être le dire, il faut placer ici un bouton. Ne me demandez pas pourquoi, j'en ai aucune idée de comment, pourquoi les blazes ils veulent tomber là, mais pff, bref, placez un bouton ici, placez un Magma Bloc. C'est juste le truc le plus important. Une fois que vous avez fait ça, vous cassez le bloc qui est ici, vous allez mettre une autre petite trappe d'or. Vous faites pareil également ici. Pareil également à ce niveau-là. Et pour terminer, une dernière juste ici. Ce qu'il va falloir faire, c'est que dans, du côté vers l'ouest, on va devoir placer une zone de 10 blocs. Donc en gros, en partant de, de à peu près ce bloc-ci, je pense, ouais, environ. Donc on va partir de ce bloc-ci et on va compter 10 blocs. Donc en gros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. Et du côté du euh, nord, du coup, si je me gourre pas, je vérifie. Oui, c'est bien ça. Donc, du côté du nord, on va partir à 12 blocs. Et il faut que ce soit un bloc entier plein. Ensuite, on va devoir après le faire toucher tout en haut ainsi que tout en bas de notre zone. L'usine est totalement opérationnelle. Donc, hop, je vais juste par contre vous montrer. Ah, je pensais avoir les Elytra sur moi, mais je les avais pas. ai pas. Je vais juste par contre vous montrer un petit truc. Donc, du coup, en dessous, on peut faire ce qu'on veut. Donc, je ferai peut-être une petite déco euh, plus tard. Euh... Euh, de neige, en chalet ou je ne sais pas, je, je pense à un truc comme ça. Alors tant qu'on y est aussi je voulais vous montrer un crusher, donc pour ceux qui savent pas ce que c'est un crusher, c'est en gros un mécanisme en redstone qui va étouffer le mob pourquoi en fait on a juste à lui donner un petit coup de poing et il meurt instantanément. Donc en gros ça nous permet en fait d'économiser des par exemple de, des épées ou des trucs comme ça. Donc pour ce faire, il faut déjà que l'on place le bloc que l'on souhaite hop, vraiment à la couche. Tac, tac, ici. En gros, enfin, ici plutôt, hein, vous aurez compris. Donc, en fait, au niveau de la tête du mob. Hop, une fois que vous avez fait ça, il ne reste plus qu'à mettre du coup votre euh, piston collant ici, ainsi que le bloc qui est ici. Et euh, normalement, ça devrait être good. Donc, maintenant, il ne reste plus qu'à faire le petit circuit en restant, qui est vraiment, mais alors vraiment pas du tout compliqué. Euh, il faut placer un bloc. Je vais par contre repousser de 1 parce que je vais avoir manqué de place. Peut-être pousser de 2. Nickel. On va prendre de la redstone ainsi que des petits comparateurs. Donc après, il faut que les comparateurs, je les mette dans le bon sens. Comme ceci, nickel, parfait. Tac. Alors, hop, par contre, ça va me poser un petit problème. Donc hop, je vais essayer de le replacer ici, nickel. Hop, ici, on va mettre de la redstone. Et ici, on n'a plus qu'à remettre des blocs. On va y replacer la fin de nos comparateurs. Tac, ici, nickel. Et le dernier, on va le mettre, du coup, bah ben voilà, ici et ici, nickel. Hop, on n'a plus qu'à mettre maintenant... De la redstone, et il ne reste plus qu'à mettre un petit bouton. Mince, c'est pas ça que je voulais mettre. C'est un bouton. Donc hop, tu viens ici, et petit bouton. Tac. Et normalement, ça va euh, tuer, normalement, enfin, ça va presque tuer nos blaze alors hop du coup je vous montre un petit peu l'efficacité de notre usine alors, il faut savoir que du coup là ce n'est pas activé donc il faut vraiment que je me mette dans une certaine rangée pour que, puisse, pour que ça puisse s'activer moi pour ma part j'ai fait une petite zone ici je vais peut-être faire une zone ici pour, pour me mettre donc en gros je les ai un petit peu éloignés en fait je profite du, du coup de la tombée des blaze pour pouvoir les éloigner pour que ça puisse spawner au niveau du spawner ce qui est plutôt pratique et en plus ça me permet de pouvoir faire un petit peu de la résonne ou de la déco en dessous puisque je vous rappelle que cette zone là doit rester le maximum voire totalement vide possible ce qui du coup permet de bien contrôler les Mobs, et comme je vous ai expliqué un petit peu plus tôt, les blazes stressent et veulent absolument aller par là, et donc après ils n'ont plus qu'à tomber. Il faut savoir que lorsqu'un blaze en fait vous a détecté, si vous décidez de monter, il va monter, si vous décidez de descendre, il va descendre aussi. Ok, il y a un blaze qui vient de descendre, on va maintenant pouvoir tester le crusher. J'ai rajouté une petite, euh, une petite, je sais plus comment ça s'appelle, une, une trapdoor. Alors le problème c'est que les blazes, quand ils veulent avancer, ils vont vraiment vouloir se plaquer contre ce bloc là, et en descendant, ils vont vouloir continuer avancer et ce qui fait qu'ils vont se retrouver sur la plaque, enfin euh, sur la trappe d'or. Donc si vous voulez il vaut mieux placer la trappe d'or de ce côté-ci, c'est plus simple mais bon moi c'était surtout pour pouvoir empêcher qu'il y ait un milliard de blaze au même endroit. Hop et surtout aussi pour que ça les empêche de, de redécorer, de redécoller pardon, de redécorer n'importe quoi. Je vais donc activer mon petit bouton et normalement ça devrait laisser le blaze à juste un seul point de vie et ça ça va être vraiment très très sympa. Hop voilà. Et maintenant j'ai plus qu'à donner alors un petit coup de main, normalement ça suffit, voilà, et ça tue directement le blaze. On va tester cette fois-ci maintenant hop, avec du coup l'épée. Bon alors là il s'est séparé de deux blocs donc normalement il va peut-être pas prendre assez de dégâts mais bon de toute façon je le tue avec l'épée donc c'est pas bien rap. Faites attention aussi parce que des fois ils peuvent vous attaquer à travers le coin de bloc puisqu'ils attaquent au corps à corps je vous le rappelle. Hop et donc du coup si je fais un coup bah voilà celui-là est mort de, du torrent. Et oui, bien évidemment, tuer les mobs pour récupérer ainsi vos loots. Alors justement, le Blaze, on en parle depuis tout à l'heure, mais peut-être que certains d'entre vous ne connaissent pas toute la subtilité de ce fameux mob du Nether, donc on va un petit peu se le présenter. Donc le Blaze est un mob hostile apparu en bêta 1.9 avec la première pre release de la 1.0.0, qui apporte entre autres le Nether. Les blazes peuvent apparaître naturellement dans les forteresses du Nether, partout où le niveau de lumière est inférieur ou égal à 11, mais ils peuvent également spawn à partir de spawners dans une zone de 9 x 3 x 9, Pouvant aller jusqu'à des groupes de 4 si le joueur est à moins de 16 blocs. Au niveau des dégâts, au contact, il vous fera 1,5 coeur de dégâts. En normal, il vous fera 2 coeurs et demi. Et enfin, en difficile, il vous fera 3,5 coeur de dégâts. Il faut savoir aussi que le Blaze peut attaquer à distance grâce à des boules de feu. Donc, en facile, il vous fera 2 coeurs de dégâts plus les dégâts de feu qui sont aussi de 2 coeurs. En normal, il vous fera 3 coeurs de dégâts plus feu de 2. Et enfin en difficile, il vous fera 4 coeurs de dégâts plus 2 coeurs de dégâts avec le feu. Il est donc beaucoup plus dangereux de se prendre une boule de feu que d'aller au corps à corps sur un blaze. Lorsqu'il est tué par un joueur ou un loup apprivoisé, un blaze peut looter une blaze road. Les blazes tués autrement ne looteront rien. Dans la version console, cependant, il lâche également 0 à 2 poudres de glowstone. Waouh, tellement blaze road. Le blaze subit des dégâts s'il touche de l'eau. La pluie, mais aussi par les boules de neige ainsi que les potions d'eau. Les blaze servent principalement à crafter des alambics, mais ils servent aussi à crafter des barres de laine ainsi que de la poudre de blaze. Mais elle sert aussi de combustible durant alors 120 secondes, ce qui est plus long que tout autre combustible facilement renouvelable, et il fait donc cuire 12 objets contre 8 pour le charbon, par exemple. Une blaze rod dans une table de craft donne deux blaze powder, poudre de blaze en français bien évidemment. Qui quant à elle peuvent servir de craft pour des boules de feu avec un charbon ainsi qu'une gunpowder, des magma cream avec des slime balls, et enfin des Eyes of Ender avec des Underpur. Mais ils servent aussi de carburant dans les alambics et aussi en alchimie pour fabriquer des potions de force. Alors je vous ai pas montré totalement tout à l'heure en début d'épisode la grande salle dans laquelle on avait vraiment tous les chemins de rail. Donc je vais justement vous montrer ça puisque bah vous êtes peut-être en train de vous dire que du coup je peux facilement descendre. Mais remonter, c'est tout de suite beaucoup plus compliqué. Donc je vais vous montrer ça. Hop, normalement on va bientôt arriver, ce qui est plutôt cool. Et voici du coup la grande salle qui va répertorier absolument tous les chemins de rail différents du nether. Donc pour l'instant j'ai fait tout cela en prévision de déjà de tout ce qu'il y a là-haut, mais peut-être qu'après je ferai d'autres zones, etc., etc. Donc en gros chaque rail va mener à un chemin différent. Donc par exemple ici on a l'end avec la stone ici la prispine pour l'usine à guardian, ici l'usine à or. Bon après pour l'instant j'ai relié que celui à end et encore je pas totalement terminé. Et par contre j'ai fait celui à, à blaze que je vais peut-être fusionner avec l'usine à guardian, donc euh, pas avec la guardian, l'usine à wither. Donc Faudra voir. Et une fois que du coup, vous savez, une fois que je sélectionne, hop je descends, je tombe, je m'en vais. Après ici, je peux revenir. Mais après, il faut que je dise un ascenseur. Qui sera du coup l'ascenseur principal ici. Qui va me permettre tout simplement de pouvoir retourner en haut, là où il y a la carte. Alors normalement c'est proof Le seul problème c'est juste quand je suis là, que là éventuellement je suis vraiment le plus visible. Et éventuellement, euh, bah, quand je suis en train de tomber avec le minecart à la limite. Mais sinon, le reste est totalement gasproof donc c'est ça qui est plutôt cool. Et c'est ainsi que s'achève notre épisode spécial Noël, l'épisode 62 de Automastique. Merci de l'avoir visionné. N'hésitez pas donc du coup à aller me soutenir sur YouTube. N'hésitez pas aussi à aller me follow sur Twitter, ainsi qu'à me rejoindre sur Discord. Passez un très joyeux Noël et sur ce, on se dit rendez-vous à la prochaine. Allez, tchuss Oui, Luma, je, je sais. Ne t'inquiète pas, je, je leur ai dit de ta part, je, je, je sais qu'ils ne comprennent pas le, le langage du chat, mais ne t'inquiète pas. Je, je, je sais que tu leur souhaites un joyeux Noël.